Les amis, bon, et ben moi je suis envahi de fourmis dans la maison, dans mes plantes aussi c'est pareil, et après ça amène des cochenilles, des pucerons, enfin voilà tout ce que vous voulez. Et du coup, et ben je vous donne une petite astuce. Alors pour ça, moi j'utilise du bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium. Donc ça, il faut toujours en avoir à la maison hein, pour digérer, pour faire du bricolage, pour du nettoyage, c'est génial. Du miel, donc. Du miel en tube, miel en pot, enfin du miel, voilà. Et après, ben, on va mélanger, vous allez voir sur la vidéo comment je fais. Et c'est radical, parce que j'ai plus de fourmis à la maison. Vous prenez une coupelle, enfin, quelque chose en plastique, ce que vous voulez, hein. Ça c'est un truc de crème fraîche. Vous mettez du bicarbonate de soude, après vous faites un trou, vous mettez du miel, vous mélangez un peu le miel avec le bicarbonate de soude, et là les fourmis, elles arrivent tout de suite. Et là vous voyez, elles sont en train de prélever le miel. Avec le bicarbonate de soude, et après bah, elles vont ramener ça au nid et elles vont donner à manger à la reine. Il y a tout qui va mourir, et après vous êtes plus embêté avec les fourmis. Et en plus, c'est naturel, il n'y a pas de chimique, ça vous coûte rien. Et en train de manger là, me rapprocher, parce que dès qu'on touche, ça saute, et voilà. Ils sont en train de faire le plein, on se débarrasse des fourmis, malheureusement, parce que bah, dans la maison, c'est pas marrant. Voilà, salut, c'était ma petite astuce.